Cette vidéo est spéciale pour mes amis francophones. Bonjour les amis, je suis Montasser et vous êtes sur la chaîne Optimo Gastro Art. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une recette d'une soupe très efficace pour les diabètes, les obèses et même pour toutes les maladies qui sont dégénératives, des maladies chroniques. Alors cette soupe va gorger notre sang avec des antioxydants, avec des vitamines et avec des sels minéraux. C'est simple, c'est rapide et c'est plein de légumes de saison bien frais. Alors passons à faire cette soupe. Et voilà nos légumes. La navette, la courgette, l'oignon, la tomate, l'haricot vert, le potimarron, le poivre rouge, le poivron vert, le poivron jaune, le chou, le chou-fleur, le brocoli, le blette, la tomate, persil, céleri et laurier et coriandre, curcuma, gingembre, poivre noir, quelques crevettes, ça peut que ce soit des poulets ou de la viande, l'huile d'olive, c'est essentiel. Et tout ça va être les ails, j'ai oublié les ails. Et on va bouillir tous les constituants dans la même marmite, avec un peu de sel et un peu d'huile d'olive. Cette soupe a des critères et des capacités hypoglycémiques très importantes. Essayez-la pour la découvrir et pour en profiter. N'hésitez pas de l'essayer. Ça va vous donner une autre alternative pour la diminution de votre glycémie, pour la glycémie de vos proches. Essayez-la et n'hésitez pas. C'est très important. J'espère bien que vous l'essayez et vous allez me laisser des commentaires pour me dire les résultats. La seule chose qu'on va enlever de cette marmite, c'est la feuille de laurier. Tous les autres ingrédients vont être moulus les uns avec les autres. Et en fin de compte, on va mettre les crevettes, on va remettre à cuire quelques minutes. Notre soupe est prête, on va la servir avec des poulets, quelques œufs, de la cerise, des oignons, des olives, un petit bout de pain et une avocat avec des noix qu'on va passer avec la soupe. On a un dîner très riche, très suffisant pour une personne diabétique et un dîner hypoglycémiant qu'on ne doit pas oublier, l'huile d'olive qui est un accompagnant, un ami de diabète. Merci de bien me suivre. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à partager si c'est intéressant. Et merci autrefois. N'hésitez pas de s'abonner.